Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce mardi 5 septembre 2023. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Avant de commencer, merci mes anges de me rappeler votre présence. Merci mes anges de me rappeler votre présence. Merci mes anges de me rappeler votre présence. Aujourd'hui, j'ai pris les discussions. Il va falloir avoir de la communication, de la diplomatie. Il va falloir avoir peut-être un débat, des échanges. Cette carte, elle vous invite au calme. Elle invite au calme et à l'échange. Peut-être qu'il n'y a pas de dialogue, de communication, que ce soit au point de vue professionnel ou au point de vue sentimental. Et il semblerait que vous soyez confronté à un problème qui ne peut être résolu que par la communication. Alors le monologue, on n'obtient rien, vous le savez. Je le dis souvent, au point de vue sentimental, que la communication est essentielle, mais c'est aussi essentiel dans le milieu professionnel, n'est-ce pas? Vous savez, lorsque on expose nos problèmes, ça permet de cerner des solutions. Il y a beaucoup plus dans deux, trois têtes que dans une, n'est-ce pas? Alors évidemment, ici, cette carte, elle vous demande d'avoir un débat, d'avoir de la communication. C'est essentiel, n'est-ce pas, pour résoudre votre problème présentement. Vous avez un problème et il est essentiel que vous communiquiez, que vous dialoguiez. Il vous faut vraiment, vraiment privilégier la parole. Le monologue, vous n'obtiendrez rien et vous ne saurez pas résoudre le problème actuel. Alors cette carte, elle vient mettre en avant qu'il faut discuter. Il faut qu'il y ait un dialecte. Le moment est venu d'ouvrir votre esprit pour parler des choses qui vous inquiètent, faire le point sur ce que vous souhaitez améliorer. Parce que si vous ne le faites pas, il n'y a rien qui va changer et vous n'aurez pas la réponse à votre problématique. Donc le dialogue vous placera pour un avenir plus agréable et une réussite en exprimant, évidemment, si vous exprimez vos idées et en prenant de nouvelles résolutions, n'est-ce pas? Donc, il est très important que ce dialogue soit mis en place parce que si vous ne dialoguez pas et si vous ne communiquez pas, vous allez rester avec le problème que vous rencontrez aujourd'hui, ou c'est peut-être déjà un problème que vous avez depuis un certain temps, et que, vu qu'il n'y a pas de communication, il n'y a rien qui avance. Donc, je pense que, il faut vraiment mettre de l'eau dans votre vin et absolument dialoguer, discuter, débattre, communiquer. Voilà, c'est tout simple. Et exposer ce que vous aimeriez, ce que vous ne voulez plus. Et encore une fois, c'est dans la communication qu'on résout les problèmes. Donc voilà pour le message de ce mardi. Et puis, la sagesse d'Ho'oponopono,
Les épreuves sont autant d'expériences que je dois vivre pour avancer vers la compréhension de mon être. Eh bien, les épreuves de la vie ne sont ni des sanctions, ni des aléas de la vie. Ce sont des apprentissages qui nous permettent de découvrir ce que nous sommes au fond de notre être. Vous savez, je le répète souvent, nous sommes venus sur Terre pour expérimenter. Faire des expériences, et il n'y a pas d'expériences qui sont négatives. On apprend des expériences. Voilà. Donc, les épreuves sont autant d'expériences que je dois vivre pour avancer vers la compréhension de mon être. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain.